50 000 qui euros au soit prêt total, pour c'est ça. ça. Alors Ça moi, va être très je vais drôle. dicter la dictée à l'oral en passant dans les rangs avec ça, bien sûr, avec mon oreillette. Et je passerai dans les rangs, je regarderai un petit peu, voir Tu t'es si des prévu une gens, petite règle un peu? si des gens trichent. J'ai pas une règle, Tu non. as... Bah, tu sais, j'aurai mon téléphone dans une main, le micro dans l'autre. Faudra déjà essayer Ouais. de lire ça. Mais ça va le faire. Et on va bientôt démarrer, en fait. Hein. Putain, j'ai envie de À mon tweeter. avis, on est prêt. Je vois les joueurs qui me regardent un J'ai peu envie de exactement ce tweeter, je qu'ils peux disent, pas. qu'on raconte. Ouais. On va mettre les. Donc la dictée, c'est 3 paragraphes. Là, je peux le faire de plus en plus. D'environ 100 mots. Mmh. La dictée est assez difficile. Pour être honnête, elle n'a pas été faite De quoi? pour que les Oh. gens puissent la terminer sans faute. Donc Oui, c'est voilà, ça. on verra. Ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce Ouais, que je disais, le but c'est de départager, c'est de la survie, quoi. C'est le BR de la dictée, le Battle Royale de la dictée. Et On peut tomber dans le négatif. on peut tomber dans le négatif évidemment. Vous partez de 20 sur 20 et à chaque faute, ça vous enlève des points. Un point par faute ou... J'ai pas le barème T'as pas le exact. barème Vous entendez là, c'est Je attends. voudrais pas dire de On conneries, passe, j'ai c'est pour pas ça le que je parle barème pas, exact. c'est pour On peut entendre les faire règles. plusieurs fautes par mot. Ah oui, tu peux faire plusieurs fautes par Ouais, mot. Ah, tu peux faire c'est plusieurs fautes dur par mot. ça. Ça, j'ai cette info par contre. Et les joueurs l'ont aussi, y a pas de problème. Ah, c'est dur. Les joueurs, alors à la fin de chaque paragraphe, ils ont 2 minutes pour se relire. Et ils peuvent se parler entre eux, entre teammates et tout. D'accord. En mode, ah putain, là t'as fait une faute, machin. Pendant la dictée, ils copient et Ils ils copient, écrivent. ouais. Mais dans le temps de relecture, ils peuvent se parler entre eux. D'ailleurs, je vais peut-être le dire à l'oral, le rappeler. Et après, il et après, il lève les mains. Chat évidemment. interdit. Ah ouais, ça va être Mesdames et fermé. messieurs, juste pour vous rappeler quelques règles. Dès que la la dictée dictée, commence, je ferme le chat. Donc vous allez avoir 3 paragraphes d'environ 100 mots. À la fin de chaque paragraphe, vous aurez un temps de relecture de 2 minutes pendant lequel vous pouvez vous parler entre teammates si jamais vous voulez vous aider et corriger des informations. Ensuite, on démarrera le paragraphe suivant, puis re-2 minutes de relecture, puis dernier paragraphe et re-2 minutes de relecture. Voilà. Vous avez le droit de parler entre vous pendant les relectures, je vous l'ai dit, et je. Ah, mais du coup, et je vais sur cet écran-là et pas sur celui-là, Tous les c'est chiant pour toi ou pas? Vous devez cacher votre chat à partir de maintenant, parce qu'on va démarrer la dictée dans très peu de temps, là, dans ouais. moins de. Et je vous dis au revoir. On vous a normalement pris vos téléphones dans une petite enveloppe en carton. Je vous dis au revoir, les gars, je vous retrouve juste pas. après. Il n'y aura pas de chat, c'est normal, gros, c'est une dictée, il faut pas tricher. Donc, Merci voilà. Toi. Et puis, bah, Merci je lirai toi, moi, le chat, je lirai tout le chat, évidemment, Merci après la dictée. Voilà. Incroyable! Quelle ambiance! Je disais, ouais, l'écran il est là, ça te dérange pas? Par ici, je sais pas pourquoi ça a popé là. Oh là Mais là, ça t'arrive à voir ou pas? Écoutez, Parce que c'est loin et c'est. Par là. Alors moi, je vais passer dans les rangs. Enfin, je vais commencer à aller dans les rangs en fait. Ouais, et, il faut que je sorte mon téléphone car je vais me mettre à dicter en fait. Voilà. Alors. Alors où est-elle? Elle est là. Ouais, on l'entend en double, ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est les aléas des LAN, hein, c'est normal. Bon. Ça va être parfait. Alors, est-ce qu'on est prêt en régie pour l'épreuve de la dictée? D'accord. Ouf. Est-ce que vous êtes Il va y avoir des mots compliqués, les gars, il va y avoir des mots compliqués. Sachez qu'actuellement, on est près de 65 000 sur le live et presque 90 000 en cumulé avec tous les lives. Pour une dictée! Pour la première dictée e-sport sur Twitch. Alors, il y aura donc les 3 paragraphes. Est-ce que tu peux lancer le premier paragraphe en régie, s'il te plaît, et me dire quand on démarre? Eh ben, tu peux y aller. Pour moi, tu peux y aller. J'ai encore aucun problème. Je vais commencer à circuler dans les rangs. Concentrez-vous! Ok, c'est parti, les gars. Dans 60 secondes. Ok, c'est parti. Le paragraphe si vous avez 1. Un problème avec le logiciel, n'oubliez ça va pas être dur, hein, ça va être très main. Très dur, les gars. Et ça va être très très dur. Hier, je m'en suis bien admin, sorti. S'il J'ai vous fait plaît. quasiment peut-être 3-4 fautes max. Okay, ou pas 5 de fautes, problème. Je sais pas, mais ça a été réglé. c'était Les cool. Admins sont très Et pourtant, efficaces. le texte n'était pas forcément évident. Mais Donc moi, je vais passer je fais dans quelques les fautes rangs débiles et quelques fautes sans des mots que je connaissais pas en fait. On démarre dans 35. Bonne chance, mais là, je vais essayer On démarre dans 35 de pas conardiser, mais c'est vrai que quand tu stresses, 30 tu fais secondes avant de démarrer. Quand je tu stresses, t'es pas bien, mon pote, t'es pas bien. Il y en a. Allez, on y va. Et les anglicismes et tout le reste, si vous ne comprenez pas les mots, eh bien, il faudra improviser. Dis pas le chat, hein, je sais Sachez pas si vous, vous dites. Je lirai tous les messages après, après la dictée. Et que pendant la relecture, j'insiste, vous pouvez parler avec vos teammates. On démarre dans 10 secondes. 3 paragraphes, je vous rappelle. Bonne chance à tous! Je commence le texte. Il était une fois, virgule. Attendez une seconde. Il y a une main levée là-bas. Qu'est-ce qui se passe?
Pour l'instant, calmez-vous, calmez-vous. Pour l'instant, ça commence par « il était une fois, virgule ». Un petit problème ici, c'est pour ça que ça arrive. J'ai pas fait de faute. On essaie de voir. Allez, GG là. Sans faute ici, zéro. Zéro faute, les gars, ça part de là. Calmez-vous. Pour l'instant, c'est faisable. Ça va être une belle histoire. Il était une fois, ça commence toujours comme ça. C'est vrai que ça va partir en couille. Ça se trouve, il va raconter une histoire à mon effigie. Ça serait possible, ça. Donc, c'est ta faute. J'ai pas entendu, il a dit quoi? Putain, merde. Je te laisse une minute. Pour l'instant, je vois assez peu de fautes. Mais je tiens à vous dire que j'en ai vu. Je vous jure que c'est vrai. J'ai vu des fautes. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on est bon? Monsieur Dicté, c'est bon? Allez, on démarre. Il était une fois, virgule, un quidam professionnel. Un quidam professionnel. Ça crie plus? Ah si, c'est bon. Ça marche plus? Si, c'est bon. Oh, ça bug partout. Calmez-vous. Professionnel à 2F ou pas? La merde. Problème. Non, elle a un seul. Ok, on redémarre. Attends, professionnel. Comment ça lag? C'est un seul. Professeur, c'est un seul à fois. Ah. Bon, vous me saoulez. Donnez-moi une vraie info. En régie, est-ce que je peux avoir une info? Un quidam, c'est quoi un quidam? Un quidam, je sais pas. J'ai écrit comme ça, mais je pense pas que ce soit non, un mais cas. S'il y a des retards. De toute façon, c'est quoi les possibilités? C'est soit c'est un cas, c'est ça, soit c'est un QU. En fait, ça peut pas être autre chose. Je sais pas ce que c'est, mais c'est soit un cas, soit un QU de toute façon. Qu'est-ce que ça peut être en fait? Ça peut pas être cas. Ok. Je sais pas, c'est terrible. Team en régie, est-ce qu'on redémarre? Trichez pas hein, sur le chat, essayez de dire et tout sans tricher. Après, j'ai pas le chat, donc je peux pas lire. Plus prudent. Je regarderai à la fin. Je regarderai après la dictée. Attendez, calmez-vous. Ne faites rien. Je cherche des informations. C'est du direct. Ne paniquez pas. C'est du direct. Et encore, dites-vous que là, il y a eu une dictée test et beaucoup de patchs. Moi, je suis pas venu ici pour un. Alors, imagine. Il y a quelques petits bugs, il y a quelques petits lags, hein, ça va reprendre. Ça, c'est terrible, t'imagines là, on a déjà des fautes. Non. Enfin, on a en tout cas notamment ce mot-là. Là. Et du coup, les gens ils sont en mode, tu sais, ils restent sur la faute pendant 5 minutes, c'est trop long. Des informations. Bah, ça marche. Peut-être hein. Aller, c'est juste quand tout le monde écrit en même temps que ça lag en fait. Je vais aller discuter avec Étoile. Ok. Alors, tu veux que je dise à tout le monde de relancer le logiciel, c'est ça? Non, attendez. Calmez-vous. Ok. Aïe, coup dur. J'ai pas d'infos pour l'instant. Putain. On va discuter avec Étoile. Moi ça marche. Hein. Dans cette Zilan. Étoile, objectif combien de fautes? On fait un sans faute, les gars. En fait, j'aimerais bien en faire zéro comme ça t'écoute Hamza, le meilleur artiste de tous les temps. Mais le souci, c'est que te connaissant et ton esprit un peu pervers, je pense que sans faute, c'est le minimum. Parce que tu vas nous lâcher des panégyriques et des pyroxénies et c'est chiant. Mais j'espère au moins assuré pour passer les poules, c'est tout. Parce que wow, c'était chaud. Le mec là-bas, il a dit quoi quand t'as dit les mots Mais bon. Ok, d'accord. Ça va bien se passer. Hein. Moi, je pense que ça va bien se passer. Super. En régie, est-ce qu'on a des informations supplémentaires? D'accord. Mais toi, t'es même pas dedans. Quoi? Ah, ça a relancé, ok. Oh, bah non. Ok. Ah mais non, mais parce que... Donc il y en a certains qui sont pas dedans. Encore une minute environ. On va relancer les serveurs, etc. Parce que tout ça est côté serveur, bien sûr. Et on lance les serveur. Les gens se demandaient si on décompilait le programme, on avait accès au texte. La réponse est non. Putain, comment on dit un kidam? C'est quoi un kidam? Merde, putain, les gens sur le chat, ils doivent m'insulter mémoire. J'ai presque envie de leur dire oui. Un kidam, ça me dit un truc en fait. Ce mot me dit un truc. Mais non. Mais... Est-ce que ça se passe bien juste pour ce début? J'arrive plus à resituer. Je pense que j'ai win là. Mais s'il y a plus de mots, c'est mort.
Ah bah, y en a un peu plus, mais ça va le faire. Si pour l'instant ça se passe bien, t'inquiète pas. Bon, je rappelle aux streamers hein, de cacher vos chats, s'il vous plaît. Est-ce que... On relance toujours pas les logiciels en régie pour nos... Ah, t'as relancé toi? Pour nos concurrents qui sont... Ah ouais, moi aussi. Là, ça reset. Okay. Ouais. Vous n'avez pas besoin de relancer le logiciel, normalement vous êtes revenu au début. Est-ce que tout le monde est revenu au début à peu près? À peu près, j'ai dit. Calmez-vous. C'est en train de se refresh tout seul. Limite, vous savez quoi? Ça arrive, les gars, si vous êtes ça revenu au début, où il y a écrit vous êtes en poule A ou vous êtes en poule B, levez la main. Et au fur et à mesure que ça refresh, vous baissez vos mains. Donc là, ceux qui sont pas encore revenus au début du logiciel, levez la main, s'il vous plaît, dans la salle. On se rend compte un petit peu. Regardez votre écran, si à un moment ça reboot, vous... enfin, si ça revient au début, vous baissez la main. Vous faites pas une crampe quand même? J'ai la dalle. Bah pour l'instant, c'est 20 sur 20. C'est écrit 20 sur 20. Ok, est-ce que tu veux, en régie, que je demande aux gens qui sont pas reboot de relancer? Parce qu'il y en a pas beaucoup en vrai. On est sur une dizaine. Oh les bâtards, eux ils ont leurs notes. Ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont pas fait de faute. Parce que tu sais, nous. Vu que... Team! Ouais, mais non, mais d'accord. Relancer. Non, parce okay, que nous, vu que c'est bugué, ça nous dit votre texte est très éloigné du texte original, alors que eux ça leur donne la note. Désolé pour ce petit couac. C'est un logiciel développé exprès pour l'événement. Bravo. C'est vrai, développé par Team qui est ici. Et honnêtement, ça marche chez pas mal de gens. Il a même dû faire une version Windows 7 car nous avons découvert que chez une dizaine de personnes, ça ne marchait pas car ils avaient Windows 7. Même ça. Pas 10, 4. Okay. Vous entendez ça, attends, ouais. Vous entendez bah, de toute façon, je peux pas savoir. Okay. En fait, pas je crois chat, que tu n'as pas relancé le. Il est où, Team? Je le vois. C'est drôle, il faut que je parle beaucoup plus si j'ai vous entendez que c'est pas. Reboot en fait, en moi, poule, je le. Tu sais, j'écoute en même temps les instructions et tout, donc. Je me dis que vous entendez. En poule B, c'est reboot? Parce que là, en A, ils sont en attente et en B, ils sont sur l'input de texte. Non seulement on a poule de la mort, mais en plus, on a le logiciel qui bug, quoi. Un paragraphe 1, toi c'était bon. Quitter et relancer a priori. Ok. Excusez-nous pour ce contre-temps. Après, on jouera à des jeux développés par des studios dont c'est le métier. À peu près. T'as marqué. Attends. Attends. Tous ceux qui sont paragraphe 2 en haut de votre écran, il faut relancer le logiciel. Je viens d'avoir cette info. S'il y a écrit paragraphe 2 en haut de votre écran, relancez votre logiciel. Ok. S'il vous plaît. Je le répète encore une fois, histoire qu'on n'ait pas le problème. C'est parti. Si en haut de votre écran, il y a écrit paragraphe 2, relancez votre logiciel. Pourquoi toi, il y a marqué une. Et limite, vérifiez sur vos voisins. Ah non, moi, ça me ferait plaisir. Tu as de l'avance sur moi, en fait. Vérifiez que sur vos voisins, il n'y a pas écrit paragraphe 2. Si c'est le cas, dites-lui de relancer son logiciel, s'il vous plaît. Bon, c'est des aléas. D'accord, ok. Vous continuez à écrire comme il vous dit. Relancez tout. Normalement, il n'y a plus trop de problèmes. Okay. Si vous avez un problème, vous continuez de lever la main. C'est chiant ça parce que moi, elle nous a demandé de ne pas aller, de ne pas cliquer sur entrée. À moins qu'elle vous le demande parce que sinon, en fait, ça passe au paragraphe 2. Et donc, du coup, si tu passes au paragraphe 2, ça considère que c'est des erreurs parce que c'est corrigé automatiquement. Et donc, du coup, c'est pas les bons mots. En fait, c'est un autre paragraphe. Bref. Pas cliquer sur entrée. Moi, je clique souvent sur entrée en plus. Après, je reviens. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Allez, si on s'applaudit allez, un les gars. Petit peu. Allez, on s'applaudit un petit peu, on se chauffe. Et on est parti, mesdames et messieurs, reconcentrez-vous. Il était une fois, virgule. Il était une fois, virgule. Un quidam professionnel, virgule. Je pense que c'est un quidam professionnel, virgule. C'est un seul. Venant d'un milieu davantage amateur que convaincant. Davantage amateur que convaincant. Venant d'un milieu virgule. Point. Il y avait une virgule ? Non, je sais pas. Sûr de lui, virgule. Sûr de lui, virgule. Convaincant patiemment chaque jour. Convaincant patiemment chaque jour. Ah, merde. Une sarabande parmi laquelle. Une quoi? Une sarabande parmi laquelle.
Une sarabande. Se trouvaient des spectateurs attentifs, virgule. Se trouvaient des spectateurs attentifs, virgule. Il allait trouver un concept innovant. Il allait trouver un concept innovant, virgule, voire révolutionnaire. Voire révolutionnaire. Point. Un inexpugnable projet. De. Un quoi ? Un inexpugnable projet qui allait mettre un véritable coup de pied. Qui allait mettre un véritable coup de pied dans une fourmilière. Dans une fourmilière décatie par le temps et par la sénescence. Décatie par le temps et par la sénescence. Non, je connais pas. Point. Et par la sénescence. Sénescence. Il accueillit près de 200 soldats. 200 en chiffres. Il accueillit près de 200 soldats. Oh putain, merde, en lettres, excusez-moi. Oh. Excusez-moi, vous pouvez effacer, pas de problème. 200, tous les chiffres sont écrits en lettres, en fait. Tous les chiffres et les nombres sont écrits en lettres. Je répète. Il accueillit près de 200 soldats. Il accueillit près de 200 soldats. Censés s'affronter. Censés s'affronter. Au détriment de leurs affinités personnelles. Au détriment de leurs affinités personnelles, virgule. Je relire après. Au détriment de leurs affinités personnelles, virgule. Pour espérer gagner une somme. Pour espérer gagner une somme. S'élevant à un total de 40 000 euros. En lettres, évidemment. Pour espérer gagner une somme. S'élevant à un total de 40 000 euros, virgule, toute taxe comprise, point. Toute taxe comprise, point. Attends. Il y eut un temps. Non, il n'y a pas. Il y eut un temps en deçà de ce tournoi. Il y eut un temps en deçà de ce tournoi, virgule. Il existera un au-delà. Il existera un au-delà. Point final du premier paragraphe. Démarrage de la team. Jeez, attends. C'était une fois un kit d'un professionnel venant d'un milieu davantage amateur comme convaincant. Ok, jusque-là, je pense que c'est bon. Deux merde. Minutes pour vous relire. Sûr de lui. Sûr de lui. Donc ça c'est un S. Discuter entre vous. Sûr de lui. Ça c'est un S. Ça c'est un S normalement. Je vois pas. Je comprends pas bien son écriture, mais sûr de lui, convaincant, patiemment, patiemment. C'est un E. Si vous venez d'arriver sur Twitch, bienvenue à vous. Vous regardez Zilan, une compétition. Patiemment. Il y a 10 jeux à connaître. De lui convaincant patiemment chaque jour une sarabande, sarabande, je ne connais pas le mot, parmi laquelle se trouvaient des spectateurs attentifs. Il allait trouver trouver un concept innovant, voire révolutionnaire. Parce que là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Un inexpugnable. Alors ça, je ne connaissais pas non plus. Projet qui allait mettre un véritable coup de pied dans une fourmilière Decati. Alors, Decati, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en toute logique, ça devrait s'écrire comme ça, de la façon dont elle l'a prononcé. Par le temps et par la sélescence. Sélescence, je ne connais pas non plus, mais c'est pareil. En toute logique, je me dis que ça devrait s'écrire comme ça. Pour tout ce que je sais, peut-être qu'il Alors y a juste un point, un accent. Ah, attends-moi, peut-être, non. Mon clavier, il est bugué. C'est l'essence. D'accord. Il accueillit près de 200 soldats censés s'affronter au détriment de leurs affinités
leurs affinités personnelles. Ok, pas de souci. Pour espérer gagner une somme s'élevant à un total de 40 000 euros. Ok, toutes taxes comprises, il n'y a pas de... Premier bilan, et la note, évidemment. Toutes taxes comprises. C'est comme ça. Dans 10 secondes. Toutes. Ça va être la fin. Non, toute taxe avec un S. L'actualisation des notes. Mesdames et messieurs. Je sais pas. En direct, qui s'actualise, même si les deux se disent, mais c'est lequel le bon. Toutes taxes comprises. Pour ça. Parce que s'il y a un S à l'un, il y a un S à tous. Il y a eu un temps au-delà de ce tournoi, et il existera un au-delà. C'est terminé encore. Attends, laisse-moi check. Comprise S. Non, il reste 3-4 secondes. Comprise S, là. Allez, fin de la relecture. Trop tard. Lisez bien ce que vous dites. Même en recopiant, t'as fait des erreurs. Et vous allez... Non mais ça, c'est parce que c'est bugué. Peut-être avoir votre note, sachant que si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas, nous on l'a en interne. Bah moi je suis chaud pour l'avoir ma note. So, nous, si vous n'avez pas votre j'ai note, pas eu la note, nous l'avons en interne. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut remettre le chat ou pas? Ah non, il y a deuxième paragraphe. Il y a un deuxième paragraphe. Ok. Il y a un deuxième paragraphe, voilà. Je pense pas que je puisse déjà mettre le chat les gars, mais je vais parler avec vous juste après. Il y a un deuxième paragraphe et après en go. Ah ça supprime tout. Putain, je voulais laisser un peu pour que les gens puissent voir. Est-ce qu'on peut continuer en Ok, deuxième paragraphe. Et on go les gars, let's go. C'était pas mal ou pas? Dites-moi. Attends, j'espère que c'était pas trop catastrophique quand même. C'est le barème, c'est on commence à 20 points et c'est moins 1 par faute. Ok, mais je pense que c'est assez vicieux, genre les accents ça compte comme des fautes, les espaces après les virgules, les petites conneries, tu vois, ça compte comme des fautes, je pense que c'est pas mal de trucs comme ça, donc Pour le paragraphe 2, je sais pas, dites-moi votre pronostic de note à votre avis, dites-moi votre pronostic de note, 5 sur 20, de ma note à moi, Gob GG, dites-moi là, votre pronostic, ah. Mais et parce que lui il a sa note. Lui, il a sa note. J'ai vu des notes très intéressantes sur le bilan tout à l'heure. Vous avez vu vos notes ici? Pas de notes pour la poule B, mais on a les textes. En gros, toute la poule B, on n'a pas les notes. C'est que la poule A qui est long. Nous, la poule B, vu qu'on a la poule la plus dure, on n'a pas les notes. Et la poule B a eu ses notes? Ah, intéressant. Ici, on a poule A, 7 sur 20. Intéressant. 8 sur 20. Ben, on va passer au deuxième paragraphe. En fait, on n'a rien et tout est fucked. Putain, j'espère que j'ai bien réussi quand même. Attends, je sais pas, il y avait trop de mots, je connaissais pas, je suis allé au YOLO. Est-ce qu'on a il y avait des mots, tu sais, il y a des mots, des fois tu les écris bien naturellement, et puis à un moment quand, tu sais, genre, tu réfléchis à comment ça s'écrit, bah t'as un doute. Tiens. Genre, toute taxe comprise, honnêtement, genre, je me suis jamais posé la question. Pour passer au paragraphe 2. Même si là, il n'y a pas de problème, on a tous vos textes, rien ne sera annulé, rien ne sera perdu, on a tout en interne sur le serveur. Ok, on lance le jeu pour passer au paragraphe 2. Là, vous fermez votre logiciel, vous réouvrez, vous appuyez sur F1 et vous aurez normalement accès au paragraphe 2. Ce sera à vérifier en haut de votre écran, évidemment. Et vérifiez mais on n'a pas mis nos pseudos. S'il vous plaît, qu'ils aient bien le paragraphe 2. T'as mis ton Soyez pseudo ou pas, toi? T'as mis ton pseudo avant? Ok. Par contre, évidemment, hein, il faut bien remettre votre nom. Non, il a pas de. Ouais, nous, on n'a pas fait, ouais. Faut pas déconner, sinon on saura pas qui vous êtes. Bien sûr. En régie, j'attends ton go pour le paragraphe 2. C'est quand tu veux. Attends, je crois que c'est bon. Attends, je vais rester encore une fois. On sait jamais. Vous êtes prêts les joueurs? Non? Bah pourquoi vous êtes pas prêts? Si vous êtes pas prêts, bras en l'air, comme d'habitude, s'il vous plaît. Ah ouais, mais les gars, on va pas inventer, hein. Faut nous donner l'info. Ok, j'ai besoin d'admin, s'il vous plaît. Non, nous c'est pas bon. Hein. Toi c'est bon, moi c'est pas bon. Ah c'est bon. Ok, c'est bon, cool. Parce qu'en fait il y avait pas marqué vous êtes low elo et tout, alors que sur tous les autres PC il y avait marqué. Ici il me faut un admin. Fuck, ok. Bon les gars, faut pas se merder sur ce paragraphe 2. Putain, Zeratan il est trop vicieux, c'est débile quoi. Trop vicieux là, c'est quoi ces mots? En vrai, je les ai écrits au feeling. Tu n'as rien écouté. Putain, j'espère que c'est bon. Putain, si c'est pas bon, je suis deck quoi. Ferme. Aucun problème. Putain, c'est trop chiant parce que. Toujours les trucs de dictée. Des fois, t'as l'impression que le mot il est évident et puis quand t'arrives pour l'écrire, tu sais, le fait d'y réfléchir, ça te met un doute dans la tête, quoi. Il avait peur que tout genre des trucs tout courts, mais tu vois, genre professeur. On va se retrouver à la fin de cette vidéo. 4 mois que je m'appauvris. Allez, Malrog, merci beaucoup pour ton ça va Malrog, merci des gros bisous en fait. C'est aussi ça. Merci beaucoup à Malrog. Pourquoi pas le nôtre?
Ouais, genre professeur, enfin, tu vois. Professeur, un F, deux F, deux S, deux N. Non, attends. Ok, est-ce que tout le monde est prêt? Deux R, enfin, non, enfin bref, vous avez compris, tu vois. Genre, si tu réfléchis pas, c'est logique, mais si tu réfléchis. Est-ce qu'on peut envoyer le paragraphe 2, s'il vous plaît? J'ai trop hâte de lire le chat à la fin de la dictée, j'ai trop trop hâte. Ok, ça démarre dans quelques secondes. J'ai trop hâte. On n'a pas le chat pour ceux qui viennent de le rejoindre. Bienvenue à vous. On fait la Z-LAN, 2 heures à tard, mesdames et messieurs. Merci pour l'abonnement. Merci. Oh, Robin Mosby, merci beaucoup pour ton sub, Robin Mosby. Merci. Alors, infiniment. Bienvenue à toi. D'ailleurs, c'est grâce à How I Met Your Mother que j'ai su. On aurait 20 sur 20 au premier paragraphe. Aïe, coup dur. Voilà, il y a tout le monde qui applaudit. Voilà le monde. Il y a plusieurs 19. Oh, bon, c'est pas nous, hein. Je pense pas que ce soit nous. Hein. 19, ça me paraît beaucoup quand même. À mon avis, j'ai fait quelques erreurs. Voilà. Il y a encore des problèmes ici, si vous voulez. Je pense que j'ai fait quelques erreurs. En vrai, je pense pas que j'ai fait 19. Deux bras levés. Putain, j'espère que j'ai. Pff. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ça peut aller en négatif. Hein. Tu peux avoir moins 30, tu vois. Un peu complexe parce qu'on a développé un logiciel exprès. Mais toi, t'as recopié sur moi et t'as fait des erreurs. Quoi? Mais en fait, il faut pas que tu me parles pendant le truc parce qu'en fait, à chaque fois que j'essaie de te répondre ou d'entendre ce que tu me disais, bah en fait, je perdais les mots. Et du coup, bah j'étais à la bourre et je ratais des virgules et tout. Donc, essaie d'attendre la fin au pire, tu vois. Une minute et on démarre le paragraphe 2. Et genre à un moment je savais plus ce qu'il avait dit et j'ai écrit au hasard. Et je me suis dit j'espère que c'est ça parce qu'en fait il retourne jamais en arrière. Donc du coup si tu me parles pendant un truc, bah en fait après moi j'essaie de te répondre et j'ai perdu deux mots de la dictée. Ouais, je sais pas, j'ai pas la réponse. Ok, une trentaine de secondes. Allez les gars. Avant le paragraphe numéro 2. Trentaine de secondes, ça va démarrer les gars. Je dirais que ça s'enchaîne bien sûr mais... On fait ce qu'on peut, mesdames et messieurs, pour que ça se passe bien pour tout le monde. Zéro faute sur ce paragraphe, les gars. Zéro faute, c'est annoncé. Zéro erreur. Si je fais une erreur, j'en ferai un sub. Non, je rigole, calmons-nous. Calmons-nous. Deuxième épreuve de Zidane. Calmons-nous. Sur 5, les phases de poule. Allez, les gars. Allez, les gars. On est à peu près bon pour tout le monde. On se plante. LRB Shark. Je vais aller voir. Je vais chercher l'information. LRB et Shark là-bas qui sont un peu à la bourre. Hein. Les Solari, hein, comme d'habitude, qui font entraîner le tournoi, bien entendu. Je commence. Alors, on y va. Le paragraphe numéro 2. La mise en place du projet. La mise en place du projet fut alambiquée. La mise en place du projet fut alambiquée. Point. Dussé-je persuader moult partenaires? Dussé-je persuader moult partenaires afin de subvenir aux besoins organisationnels de cette aventure? Aux besoins organisationnels de cette aventure, j'y arriverai, point. Quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque je réalisais ah. Quel écueil cela représentait-il de mener à bien cette entreprise? J'ai raté des mots. Finalement, dans une ville dont le blason était d'azur, au léopard accroupi d'or, la queue remontant entre les jambes, la queue remontant entre les jambes,
la patte dextre est levée. Allô. La patte dextre est levée. Dextre. Tenant un labarum de Constantin. Constantin, C-O-N-S-T-A-N-T-I-N. Merci à l'API. Tenant un quoi ? La patte dextre est levée, tenant un labarum de Constantin. I celui chargé d'une inscription. Quoi ? Je comprends rien. I celui chargé d'une inscription de sable. Je vous répète la phrase. La patte dextre est levée, tenant un labarum de Constantin. I celui chargé d'une inscription de sable. Virgule. Ça, c'est pas bon, je me suis trompé. Je vais le modifier après. La patte dextre est levée, tenant un labarum de Constantin, y celui chargé d'une inscription de sable, virgule. L'événement eut lieu. L'événement eut lieu, point. L'événement eut lieu, point. En gros, virgule, c'était à Arles. En gros, virgule, c'est pas bon, c'est c'était ça. À Arles. Et non pas en Arles. Merci. En gros, virgule, c'était à Arles. Point. En gros, virgule, c'était à Arles. Point. Fin du deuxième paragraphe. Démarrage de la relecture. La mise en place du projet fut annoncée. Je ne relirai pas. En global, je sais-je persuader moult partenaires afin de subvenir aux besoins organisationnels de cette aventure, j'y arriverai. Quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque je réalisais quel écueil, je ne sais pas comment ça s'écrit les gars, honnêtement je ne pense pas que ce soit ça, non. Je pense que c'est comme ça, quel écueil, je pense que c'est plus comme ça, mais cela représentait-il de mener à bien cette entreprise. Du coup, peut-être un peu moins. Finalement, dans une ville dont le blason était d'azur, au léopard accroupi d'or, la queue remontant entre les jambes, la patte dextre élevée. Alors, la patte dextre, c'est quoi une patte dextre ? Non, j'ai jamais entendu ce mot-là. Je l'écris comme je l'entends, mais élevée. Encore une centaine de secondes pour la relecture, mesdames et messieurs. Paragraphe 2. Ah, tiens, ouais, du siège. Pas du siège, du siège. Le paragraphe 3 est un petit peu plus élevé. Tenant un labarum de Constantin. Là, on est encore dans l'acceptable. Tenant un labarum de Constantin. J'espère que j'ai vous sur le chat. Celui chargé d'une inscription de sable. J'espère l'événement que vous eut lieu. Chez vous, que vous en vous gros, essayez c'était à Arles. À ce petit défi, évidemment. En gros, c'était à Arles. Terrible. C'est des épreuves qui sont assez longues et qui s'enchaînent, mais qui étaient importantes pour nous. Après, on. Tenant un labarum de Constantin, celui chargé. Mais ça se dit pas, ça veut rien dire. Merde, il celui chargé. Vous inquiétez pas, mais non, il y a un problème, j'ai mal entendu, ça pète les couilles quoi. J'attends effectivement. Il celui chargé. Beaucoup ne croyez pas que la lecture est rapide. Non, c'est terrible. Il celui chargé. Putain, fais chier quoi, les gars. C'était quoi le truc, fais chier. Ah. Sans répéter. Il celui chargé, ça veut rien dire, non ? Finalement, le début me va. Alors, la mise en place du projet fut alambiquée. Je ne connais pas alambiqué, mais je l'écris comme ça, tant pis. Sais-je persuader moult partenaires afin de subvenir aux besoins organisationnels de cette aventure ? J'y arriverai. Quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque j'imagine comme ça, je réalisais quel écueil cela représentait-il de mener à bien cette entreprise. Et le classement final de la dictée, dans une ville dont le blason était d'azur, au léopard accroupi d'or, la queue remontant entre les jambes, la patte dextre élevée, tenant un labarum de Constantin, celui chargé. Les bons il celui chargé à une inscription. Il faut qu'on refasse quelques trucs à la main pour les mettre nous-mêmes dans le script de comparaison, par rapport à etc. Donc, il y a un troisième. C'est juste pour vous prévenir de ça sur Twitch, ne vous affolez pas. D'ailleurs, on fera très probablement une pause. C'est plus dur là. Après la dictée. Et il y a un troisième paragraphe, c'est plus dur a priori, les gars. Ça va être un délire. Ça va être un délire, j'adore. Ah, j'adore, c'est la meilleure épreuve. La dictée est la meilleure épreuve de cette compétition, les gars, je peux vous le dire direct. Okay. Ça, c'est du vrai gaming, les gars. Nous, on est des vrais gamers. Allez, c'est parti. C'est parti, les gars. Oh là là, la vache. Oh, 120 secondes. Paragraphe 3. Il y a quelques notes qui s'affichent. Il y a un paragraphe, je crois. Je vous le répète aussi dans la salle.
Les notes finales, on vous les donnera quand on aura fait une petite pause et qu'on recompilera certaines données, parce qu'il y a certaines personnes qu'on va reprendre à la main, etc., par rapport aux données qu'on a. Donc ne vous fiez pas aux notes affichées pour l'instant. Et vous inquiétez pas, nous la poule B, ça affiche pas les notes, en fait, de toute façon, il parle à la poule A. Aucun problème. Nous, la poule B, on est un peu les victimes du game. Alors, normalement, on est en train de lancer le paragraphe 3. Ça va s'afficher pour tout le monde. Les admins sont en train de passer. Allez, ça va commencer, les gars. Troisième paragraphe. Si vous avez un problème, c'est plus simple pour nos admins pour venir vous voir. Je vais boire un peu d'eau. Et ensuite, j'arrive pour vous dicter ce paragraphe 3. Parce qu'on discute, hein. Elles sont trop stylées, les chaises qui sont là-bas, vous les voyez pas, mais en fait là il y a floqué Zedlan dessus. C'est là-bas là où il est, Zarathar. Là-bas là. Mais vous voyez pas, vous pouvez pas voir vous. Mais je vous mettrai des petites photos sur Instagram. Allez, les gars, allez sur Instagram. Je mettrai des petites photos, je pense. Ce soir je vais poster masse photo, ok. Ce soir je vais poster masse photo sur Instagram. Le HS. Je vais en poster quelques-unes sur Twitter, mais surtout sur Instagram, parce que Instagram. Sur Twitter c'est pas trop bien de flood. Sur Instagram on s'en fout, tu vois. Sur Instagram je peux vous en poster pas mal et vous allez pouvoir aller voir. Poster les petits trucs de détails et tout qu'on voit pas forcément sur les caméras. On commence sur les streams des gens. Une trentaine de secondes. 40. Putain, j'espère que j'ai pas fait trop de fautes. Ah, je suis sûr, sur le chat, vous avez tellement dû vous foutre de ma gueule, Vaspar. En vrai, je pense que vu que la plupart des gens ici, ils ont pas été à l'école, je pense qu'on va quand même avoir une bonne note par rapport à eux, donc ça va. Et ensuite, les streamers pourront réouvrir leur chat et rediscuter avec vous. Le plus important, c'est d'avoir le moins de points négatifs possible. Parce que les autres, ils vont perdre des points. Que nous avons pu faire. Et sur les autres jeux en fait. Et nous l'objectif c'est justement de pas perdre de points sur les autres jeux. Ah, donc bah, l'idée c'est d'au moins avoir. Moi j'aimerais bien avoir au moins 15 ou okay. Plus de la moyenne, ça c'est serait bon cool. Pour, mais je pense que là ça va être chaud. Si problème, il y avait trop de mots que main, je connaissais pas. Mais je crois que personne ne lève la main, ce qui est absolument miraculeux. Mesdames et messieurs! Si Skyheart, il levait la main, tout le monde s'en bat des couilles. Ok, paragraphe numéro 3, dernier paragraphe, concentrez-vous. Il fait à peu près la même taille, mais. Dernier voilà. Paragraphe. Hein. Allez, les gars, non, on va le faire, ça va aller. On commence, c'est parti. C'est parti. Nous voici donc, virgule. Nous voici donc, virgule. Dans cette salle, virgule. Dans cette salle, virgule. Pour l'instant, ça va. Tous réunis aujourd'hui, pour célébrer la beauté du monde du jeu vidéo, ainsi que la passion qui nous anime tous. Merci. Ainsi que la passion qui nous anime tous, point. La passion avec 2$ à la place ainsi des S. Que la passion, c'est ça la bonne réponse. Qui nous anime tous, point. Même si toutes ces épreuves. Pour l'instant, ça va, pour l'instant, c'est cool. Sont pour vous des délices inavouées. Même si toutes ces épreuves sont pour vous des délices inavouées, virgule. Il est évident que celle-ci est votre préférée. Point. Pas du tout point. Si point, pardon. Il est évident que celle-ci est votre préférée, point. Il est évident que celle-ci est votre préférée. C'est vrai, moi c'est ma préférée. C'est mon épreuve préférée. Vous, virgule, joueur que j'ai vu s'inscrire pour participer. Virgule. Allez donc donner le meilleur de vous-même. Point.
Vous, joueurs que vous s'inscrire pour participer, virgule, allez donc donner le meilleur de vous-même, point. Non, je me souviens pas. Il conviendra d'éviter. La dictée à l'avenir. Il conviendra d'éviter. Merde. Les coques-cigrues de Hugolien. Il conviendra d'éviter les coques-cigrues de Hugolien logoréique. Allô? Quoi? Écoutez. Il conviendra d'éviter les coques-cigrues de Hugolien logoréique. Je répète. Il conviendra d'éviter les coques-cigrues de Hugolien logoréique. Il conviendra d'éviter les coques-cigrues de Hugolien logoréique. Si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas, vous ridiculisez. Il conviendra d'éviter les coques-cigrues de Hugolien logoréique. Si vous ne voulez pas, vous ridiculisez. Point. Et même si, virgule. Et même si, virgule, ça et là, virgule. Et même si, virgule, ça et là, virgule, gisent des restes de vos encéphales, gisent des restes de vos encéphales, déjà épuisés, virgule. Et même si, virgule, ça et là, virgule, gisent des restes de vos encéphales déjà épuisés, virgule, il est indubitable, virgule, indubitable. Excusez-moi, parce que la fin est très drôle. Il est indubitable, virgule. Quoique quel caca blanc qu'ait été. Je répète. Quoique quel caca blanc qu'ait été cet exercice. Mais moins vite. Quoique quel caca blanc qu'ait été cet exercice. Quoique quel caca blanc qu'ait été cet exercice. Virgule. Je répète. Quoique quel caca blanc qu'ait été cet exercice, virgule, que cette douloureuse épreuve, que cette douloureuse épreuve est désormais terminée. Point. Je répète la dernière phrase. Et même si, ça et là, gisent des restes de vos encéphales déjà épuisés, excusez-moi, j'ai oublié les virgules, je recommence. Et même si, virgule, ça et là, virgule, gisent des restes de vos encéphales déjà épuisés, virgule, il est indubitable, virgule, quoique quel caca blanc qu'ait été cet exercice, virgule, que cette douloureuse épreuve, est désormais terminée, point, relecture. Nous voici donc dans cette salle, tous réunis aujourd'hui pour célébrer la beauté du monde du jeu vidéo ainsi que la passion qui nous anime tous. Même si toutes ces épreuves sont pour vous des délices inavoués. Ce texte vous est offert par des délices inavoués, Adrien et Flora, deux auteurs. Il y a un seul N, je crois. Il est évident que celle-ci est votre préférée. La relecture est lancée. Vous, joueur que j'ai vu s'inscrire pour participer, allez donc donner le meilleur de vous-même. La fin de la dictée. Il conviendra d'éviter les coques-cigrues. Alors, je sais pas ce que c'est coques-cigrues. Désolé. Les coques-cigrues de Hugolien légoréique. À quelle heure? Aucune idée. Ça serait vraiment un coup de chance de ouf que ce soit ça, mais je ne pense pas. 14h. De Hugolien légoréique. Je serais curieux de savoir ce que ça veut dire. Si vous ne voulez pas vous ridiculiser. Et vas-y, ouais. On reviendra vers 14h. C'est QUA, mais de toute façon, il sera probablement faux. Mais c'est QUA, c'est A. Mais je sais pas, je connais pas le mot. Et je connais pas. On va allumer leur live s'ils veulent. On va juste leur dire qu'ils ont jusqu'à 14h pour aller manger, se reposer,
faire la première pause. Quelque accablant était cet exercice. À 14h avec les notes de la dictée qu'on a enregistrées. Quelque dans la salle aussi. Merde, quoique vite quoique annonce si on les a. Quoique quarantaine de secondes de relecture. Évidemment. Et puis ensuite nous passerons en pause. Mais ça peut pas être accablante, c'est masculin l'exercice. Évidemment, termine la relecture avant de le relance. Annonce la pause. Quelque accablant était cet exercice. Avec une fin assez quoique quelque accablant ait été cet exercice. Notamment, c'est possible que ça se dit, parce que qu'accablant, moi je sais pas ce que ça veut dire. J'ai écrit ce que j'entendais comme je l'entendais, mais ça voulait rien dire. Donc, après, ça se trouve, ça existait. Quoique quelque accablant ait été cet exercice, que cette douloureuse épreuve est désormais terminée. Nous voici donc dans cette salle, tous réunis. Ah non, c'est fini. Eh bien, merci à tous. Le chat. Alors, s'il vous plaît, votre attention. Donc là, il va y avoir la pause de nourriture, la pause manger. On va tous vous demander d'être à 14h devant vos ordinateurs. J'insiste lourdement sur le fait d'être à 14h devant vos ordinateurs, car sinon nous démarrerons les épreuves sans vous. Voilà. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc soyez à 14h devant vos ordinateurs. Les streamers, vous pouvez continuer de streamer. Le chat. Vous voulez juste à 14h. Nul, Loélo. Quoi jusqu'à la soirée. Conviendra. Nul. Bon. Mais non. Caca blanc. Mais je sais pas. Quelqu'un accablant. C'est bon, j'ai le chat. J'ai le chat. On a le droit de demander aux autres, Loélo. Non, mais c'est du duo. À 14h. Évidemment. Pour nous, Twitch. Quand tu liras le chat, explique s'il te plaît, c'est une chose de caca blanc, je sais pas. Attends, laisse-moi une petite minute, je discute avec mon chat. Tiens, viens, Jococo, si tu veux discuter avec mon chat aussi, il se fout de ma gueule pour la dictée. On se retrouve à 14h pour la dictée. Jococo, mon ancien boss chez Gamers Origin qui est là, dans le staff ZLAN. Évidemment, offrir. Caca blanc. Moi j'ai écrit caca blanc, mais je sais pas ce que ça voulait dire. Caca blanc. Mais je sais pas, moi j'ai juste écrit ce qu'il avait marqué. Caca blanc, mais non, mais. Mais c'est quoi? Quoi? C'est accablant. Quelque accablant. Il était acheté pour l'occasion, ce n'est pas un partenariat. Mais c'était important. Oui, non, mais accablant, d'accord, mais il a dit quelques accablants. Donc évidemment, on se retrouve vers 14h pour le bilan de la dictée. Mais moi, ouais, j'ai pas eu. On n'a pas les notes, nous, dans la poule B. On suivre Zilan en direct de Arles. On se retrouve à 14h. Il est très sûrement. Mais non, mais à part ça, patiemment. Patiemment, c'est pas comme ça que ça s'écrit, patiemment. Patience avec un T. Non, mais c'était le caca blanc du Léopard. Oh, patience avec un T, merde. Qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'il est con, merde, putain. Patiemment, c'est un T, vous êtes con. Oh non! Loélo, dextre et sénestre, c'est droite à gauche en vieux français. Ah! Patiemment, oui, ça s'écrit comme ça! Patiemment. Oh non, les gars, c'est la honte! Logoré, graphique. Léopard avec un D. Parce que. Quoi? Non, mais bien joué, bien joué, bien joué. Léopard? Comment ça, Léopard? Ah, j'ai. Quoi? C'était pas Léopard? Non, c'était Léopard, ouais. Mais j'ai écrit Léopard avec un D. Ah, ça s'écrit pas avec un D? Bah, j'ai écrit avec un D, non? Ah, ou alors ça c'est pour. Ça, si j'ai pas écrit avec un D, c'est juste une erreur de. Ah ouais? Encéphale. Non, mais j'ai pas zéro, mais arrête de dire zéro. J'aurais 15 ou 16. Non, mais j'ai juste trempé sur un mot ou deux. Effectivement, caca blanc. Caca blanc, là, on était effectivement dans un truc que je connaissais pas. Léopard? Ah ouais? Putain, merde, j'ai mal relu. Zéro! Mais non, mais attendez, parce que ça peut aller en négatif. Hein. Dites pas zéro, les gars, hein. Ça peut aller en négatif, hein. N'oubliez pas. Ça va en négatif? Ouais, tu peux faire moins 50. Hein. Et tu peux faire plusieurs fautes par mot. Quoi? Mais non, mais là, je lui ai fait gagner au moins 200 points sur la dictée déjà. Parce que là, il aurait eu moins 200. Non, mais dites pas dernier! Attends, il y a que des gens qui ont jamais été à l'école. Je vais pas être dernier. Quoi? Mais non, je sors pas des poules là-dessus. Mais n'importe quoi, il y a que des illettrés. Quoi? Non, jamais j'ai moins 40. Mais c'est bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et chez toi, n'avoue. L'utile a eu 20 sur 20, mais t'es un mytho, vas-y. Mais jamais l'utile a 20 sur 20, il s'est même pas aligné 3 mots. Jamais, jamais, jamais. Il s'est trompé à son pseudo. Rang 25 à la dictée, mais non. Attends, y a quoi d'autre, les gars? Y a quoi d'autre? Rang poulet. Franchement, tu t'en sors pas mal, il y avait des mots compliqués quand même. Ah bah voilà, voilà, y a des mots d'encouragement, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. C'est nous les caca. Caca blanc. Putain, c'était trop la honte en vrai. Quoi?
patiemment, P-A-T-I-E-2-M-E-N-T. C'est ça, hein? C'est ça. Non, mais patiemment, putain, merde, en plus, c'était sûr. Oh putain, mais j'ai été con. Eh, en vrai, je sais l'écrire patiemment, c'est juste. Mais j'étais stressé. J'étais stressé de ouf. Caca vlog. Non. Non, non, non. Ah là là, putain, j'étais trop stressé. Mais sinon, à part ça, au final, ça fait deux mots. Au final, ça fait deux mots. Attendez, au final, ça fait deux mots. Attendez, attendez. Attendez, parce qu'on peut faire comme ça, là. Faire comme ça, là, ici, les gars. Les gars, au final, ça fait deux erreurs. Là, vous m'avez cité deux erreurs, mais à part ça. Logorique. Ah, logorique. Ah, c'est un vrai mot. 18 sur 20, vous pensez? Ah, 18 sur 20, moi, ça me va. Hein. 18 sur 20, ça m'a l'air pas mal, en vrai. C'était pas facile. Bon, c'était archi dur en vrai. Donc, patiemment, j'étais nul. J'avoue, patiemment, là, c'était un peu long. J'avoue, patiemment, là, j'ai rien à dire. En vrai, 6 sur 20. Mais non, pas 6 sur 20. Caca blanc sur 20. Caca blanc. Mais non. Kawaii en PLS. Non, mais non, mais très très bien. Il s'échauffe psychologiquement pour son jeu d'après. Pour Minecraft. Trackmania. Après, c'est Trackmania, c'est un jeu de voiture, vous allez voir, ça va être ouf. Trackmania, ça va être trop des barres. Et ensuite, ça va être Minecraft et H1Z1. Le mec de l'OLO a trouvé le dé à Léopard, ça y est, c'est sa journée. Mais non, le dé à Léopard, ça, j'ai été terrible, ça aussi. Putain, Léopard, c'est évident en plus, comment j'ai fait pour me tromper. 10 sur 20, t'auras jamais 18. Oh, sérieux, les gars? Sérieux? Oh non. Négatif sur 20 à 100%. Mais non, arrête. Tu prends une pause repas, Loello? Non, bah non, parce que c'est une web TV, je peux pas prendre une pause repas. Là, il y a absolument tout le monde qui est parti. Il y a absolument plus personne. Tout le monde est allé manger. Mais non, moi, je peux pas. Je peux pas, les gars. Je vais faire une petite pause de 5 minutes pour aller aux toilettes. Et puis ensuite, on va faire un petit peu d'Airson. On va discuter de caca blanc. Je vais vous expliquer l'étymologie du mot. Vous connaissez pas très très bien. Permettez-moi de refaire la langue française à mon image. Non, je vais faire une petite pause. Et puis, bah, moi, je vais. Putain, c'est terrible. Mais non, mais ça peut arriver, putain! Putain! Le mot. Oui, il a copié allègrement et il s'en battait les couilles. En plus, la rumeur se répand un petit peu partout dans la LAN que j'ai écrit patiemment avec deux S. J'ai eu un petit peu peur de sortir, je vais pas aller manger, moi, vous savez, j'ai pas très faim finalement. Aïe aïe aïe. Mais après, le reste, en vrai, il y a pas mal de trucs que j'ai bien écrit en vrai. En vrai, bah, pour ma défense, je pense que, à part caca blanc, et que d'ailleurs j'ai corrigé à la fin. Alors rappelons-le. C'est Trackmania le training, c'est pas Hearthstone, hein? Ouais, tranquille, tranquille, on va faire quelques games d'Hearthstone et quelques games de Trackmania. Parle-nous de convaincra et non convaincra. Quoi? Lolo a fait 5 ans de grec ancien ainsi que 12 ans de latin et de latin classique. Aïe aïe aïe. Lolo, tu le connaissais Kawaii avant? Ouais, bien sûr, ça fait longtemps que je le connais, ça fait 3-4 ans. Les articles ne contenaient pas de fautes, oui, Loello. Tu vas te nourrir de littérature. Putain, c'est trop la honte, quoi. Putain, mais en plus. Mais caca blanc, je savais pas ce que ça voulait dire. Mais en plus, j'étais persuadé que c'était un mot que je connaissais pas. Parce que des fois, tu sais, il y a des mots que tu connais pas forcément, tu vois. J'arrive? Vas-y, j'arrive. On me réquisitionne pour a priori me punir d'avoir écrit pas caca blanc, mais l'autre. Patiemment avec deux S. On va se faire une petite pause les potos. Vous allez voir l'écran de pause, il est assez stylé. Je vous retrouve d'ici 5 minutes je pense, 5-6 minutes. Et puis je vais pas faire de pause déjeuner. Moi je vais pas faire de pause d'une heure parce que bah, c'est une web TV. Du coup bah, pendant la pause on va essayer de, bah, là, d'inviter des gens, de discuter un petit peu. Et voilà, regardez l'outil qui drague. Ah mais c'est cassé, terrible. Et puis voilà, je vous retrouve dans 5 minutes les potos, n'allez pas trop loin, à tout de suite. 'Cause I'm stuck in the